ça m'aidera. Déjà plein.
Je garde ça pour plus tard. On m'a vu. C'est parti. C'est pas passé loin, ça. Je peux respirer. Moi qui aime voyager léger.
Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné. Trouvez-vous à l'abri.
dois poser quelque chose. Je me prépare. J'ai déjà trop de choses. Je dois me préparer. Du bruit. C'est bien. D'autres soldats de l'éclipse. Gueule d'orage corrompue. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. Dans la tombe, les noirs.
Sona. Ils sont vivants. Thank you.
C'est parfait. Pour les terres sacrées. Aloy, j'aurais dû prendre un chariot. Aloy, ton exploit me rappelle les vieilles histoires. Un autre démon de métal. Tu as sauvé la tribu. Là où les braves chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant, mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Combien y a-t-il de survivants? Presque toutes les matriarches, et beaucoup de familles bénies soit la déesse. Quant aux braves, quelques-uns, mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Karja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres, mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de porte-morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volées de flèches. Mais non. Rien ne les arrêtait. Finalement, on s'est replié aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts, et les survivants refuyaient vers la montagne. Tes blessures sont graves? Les bleus s'effacent, les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl, est-ce que tu vas bien? J'ai mal partout, mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elles. Alors, pourquoi? Tu verras.
Encore une batterie. Il m'en faut plus qu'une pour pouvoir accéder à l'armure. Les machines des mécréants ont massacré notre peuple. Elle s'est vraiment arrangée. T'es arrivé juste à temps. À l'œil. Oh, tu es revenu. Teb? À l'œil. Bien. Tu es enfin de retour. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Lansra, écarte-toi. Ton temps est terminé. Je te ferai pas de mal. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis l'éclosion, c'est qu'il existe des choses bien pires au monde que toi. Enfin. Attention, identiscan. Erreur, registre alpha corrompu. Correction, registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Je vois que tu es entré. Je me disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet? J'ai jamais arrêté. Et ça, ce sont... les utérus artificiels. Les mères d'une génération nouvelle créée il y a des siècles. Et moi? Alors c'est ici? Le lieu de ta naissance. Mais pourquoi? On dirait... des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et... ces trucs, les multiserviteurs,
Il s'occupait des bébés ? Qui d'autre l'aurait fait ? La journée est terminée. La lumière éclaire moins fort. J'ai pas sommeil, maman. Je sais, mais il est l'heure de se reposer. Pas moi ! Je suis le roi, je fais ce que je veux ! Je veux voir le vrai soleil, pas des lampes et des images. Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour. Bleu est la couleur du ciel. Blanc est la couleur des nuages. Jaune est la couleur du soleil. Vert est la couleur de l'herbe. Les fleurs sont de toutes les couleurs. Combien de temps ils ont vécu ? Tiens, regarde, les abeilles sont jaunes et noires. Et elles aiment les fleurs. Et les voilà ! Laisse-nous tranquille, papa. Après ce qui vient de se passer, je peux vous laisser. Vous savez, enfin, laisse-nous discuter, alors. Va-t'en ! Désolé, les enfants, je suis obligé de vous aider. De toute façon, t'es même pas humain. Tu as l'air énervé. Courons et sautons pour nous dépenser. Je suis obligé de vous laisser partir. Mais pourquoi ? Il n'y a plus de nourriture ici. Et dehors ? Il y en a ? Nous n'en sommes pas sûrs. Allez, on y va ! Je sais pas. Maman, on pourra revenir si on a froid ? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Vous allez devoir vous débrouiller. Éveiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Je vais rester là, m'endormir et me souvenir de vous. Et nous, on va faire quoi ? Vous serez braves et vous apprendrez. Un jour ? C'est ce que tu dis à chaque fois ? On veut plus attendre ! Oh, c'est grand en bas ! Allez, papa ! Les enfants, cette zone n'est pas encore accessible. Sur lui ! Agression physique détectée. L'agression physique n'est pas autorisée. Excepté pour toi ! Saleté de sentinelle ! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance ? Dégage, la soigneuse ! Léna, tu souffres de légères contusions. Va-t'en ! Ils sont restés. Ils n'aimaient pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Tu trouves ça étonnant ? Attention, identiscan. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue.